Parfait. Merci. 5, 4, 3, 2, 1, on envoie la musique. Christian, Brice, Merlin fera un peu entre les deux pour vérifier l'ordre et aussi pour tirer pour le croisement. De ruban. Thank you. Incroyable. C'est contagieux. When we were looking at everything what Christian was using a lot, there was something very clear that he used, he loved Grosgras ribbons. One of the first ideas which we had, okay, not using only real Grosgras, but also to pose it on fabrics, take pictures of it, and then print it on fabrics. And the Grosgras ribbons printed on 100% polyester, recycled polyester Duchesse. So it's not a silk Duchesse, it's a recycled polyester Duchesse. The one hold it too high. But we have to see. I think it can go a little bit higher than it was. Just in the way. Yeah. We'll make the skirt a little bit smaller. And to shorten the skirt also a little bit. It's now 110 a show. So it's a very good way to avoid that you fall in kind of a repetition or kind of a habit. So it's refreshing quite a lot of things for us. Mm. For the whole team, it was really very stimulating. So for me, it was interesting, but also for the young, because I've been growing up, of course, with Christian around, knowing the things that he was doing. But now for the young team, it's of course like history comes alive. Ça faisait 10 ans que j'avais pas mis les pieds dans une maison à faire les 3 jours d'essayage, etc. Ça, c'est votre spécialité, ça. Donc, Christian dit bon, peut-être ajouter encore quelque chose, encore un ruban, ça. Et à la fin, c'était moi qui disais peut-être encore ruban, et lui disait non, c'est assez. Je suis contagieux. Moi, j'étais là pour donner le mauvais goût non. À l'archétype du bon goût nordique. Oh,
on est taureaux tous les deux. Oui. Bon, lui, c'est un taureau protestant du Nord et moi, je suis un taureau catholique du Sud. Un cérébral et un, ouais. Et un kitsch. C'était vraiment amusant de trouver la balance, de voir aussi, ouais. Parce que donc on ne fait pas trop dur, donc de trouver quand même une bonne balance en qu'est-ce qu'on peut faire qui touche presque au niveau de couture, les tissus, les jacquards. Donc ça, c'est un jacquard fait à Lyon, et c'est basé sur un document de 18e. Fin 18e. Donc on a adapté un tout petit peu, mais donc c'est presque identique. Pour moi, c'était important de faire des choses comme ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment typique pour Christian, d'avoir les tissus. Et par coïncidence, on avait sélectionné un de jacquard. C'est celui-ici. C'est l'archive du 18e siècle. Donc Christian avait déjà fait une reproduction. Maintenant, c'était nous qui avons fait une reproduction de cette archive. C'était pas un hommage, parce qu'il ne voulait pas faire un hommage, et moi, je n'aurais pas voulu un hommage. C'était de se rencontrer. Ce que j'ai apprécié chez Driss, c'est la franchise et l'honnêteté de dire j'ai envie de faire une collection inspirée par un monde auquel tu n'es pas étranger. On l'a fait ensemble, au lieu de juste mettre des scans au mur. Jacquard authentique. Lui sur Tyvek. Et celui-ci imprimé sur Tyvek. C'est un zonotissé qu'on fait pour des. Que j'utilise beaucoup au théâtre. On a vraiment joué avec aussi donc tous les imprimés animaux. Ils sont des faux des photos, des scans, des faux fourrures. Pas du vrai faux. Faux faux. Faux faux, deux faux. C'était la première fois qu'on disait, ok, maintenant, la patronnière, on va faire une jupe. Et tu peux utiliser autant de tissus que tu veux utiliser. Donc c'était 15 mètres de tissu, 38 mètres de ruban. Donc à un certain moment, on dit oui, mais là, on est quand même tout près du haut. J'ai coûté cher en gros grain. Quand je suis arrivé en vert, j'ai dit surtout pas de fuchsia. Non, pas le fuchsia, non, pas le fuchsia, mais je dis... Pas un torero, s'il te plaît. Si on fait quelque chose, on a fait un arak en polyester de récupération, donc c'est recycled plastic bottles, ouais. En taffeta. Mais brodé en Inde avec donc les... Tu deviendras par cas, ma fille. Oui.
this is magnificent. It's everything. This dress is everything. Like I could wear this every day. It's amazing. It's just magic. Chez Dress, ils ont une manière de broder avec des brodeurs de la maison, en fait, en Inde, et c'est incroyable. Mais ils sont presque une maison de couture, parce que quand on s'est rencontrés la première fois, on dit peut-être qu'il y a des gestes, des drapés, des formes, peut-être qu'il faudrait qu'on trouve quelqu'un à Paris. Et en fait, ils ont des premières d'atelier qui ont une main incroyable. C'est pas une maison comme les autres. Otherwise, do the... The big one, because this I don't want to cut off, so add me. Yeah. But the same size. Oui, comme on disait avec Gris, c'est difficile de dire au revoir à la bête, mais... Also this look, we have similar one with the same piece of the shoulder. Mm-hmm. So, I mean, it's nice in a way that we have both. How many matadors we have? We killed already 3 matadors. So we've been quite rather cruel already. Avec quelqu'un d'autre, je pense que ça n'aurait pas eu lieu. Mais là, c'était vraiment... Ça rapprochait de quelqu'un qui m'étonnait, sauf que je le connaisse vraiment, que je portais, que je... Et... Non, ça a été si beau, moi. On a fait le test en mai, déjà. Et avec M. Lacroix, avec Dries, Sam et moi, on a, et toute l'équipe, on a joué, tu vois, avec maquillage, plumes, voilà. Et une des mannequins avait tous des piercings. Et comme ça, on a joué sur ça aussi, et c'est devenu un look. Il y a 3 looks à la fin. Il y a le brush stroke, un peu comme Adam Ant, Blade Runner, tu vois, en blanc, or et noir. Les studs en blanc, or et noir, et la bouche dorée, tout simplement. Completely like that, because the fly of your pants stays a little bit. Yeah. Fantastic. Because of the see that the color is not moving too much to the side. Do you think that walking it would be a little bit like that, or you prefer it flat? No. We can remove it then. I think it's fine. But the thing is, you have to see that we have enough of the fuchsia always on the front, because I just had a lot of big head stains. Bloody. Pas, c'est que quand on s'est vu la première fois à Paris, de manière un peu cachée, il m'avait écrit, moi j'étais flatté, heureux, mais je voulais savoir. Mais quand on s'est vu, tout ça était déjà sur son board, dans ses valises. Moi j'ai vraiment fait que le traducteur ou le... je sais pas quoi. Mais l'idée des grands rubans qui est génialissime, que j'aurais adoré avoir, c'était déjà là. Thank you.
Driss dit ça, il y a deux garçons formidables, sympathiques qui arrivent, on va faire ça, le lendemain tu l'as presque. La première chose qu'on a fait, c'était un bic en plastique qu'on a à la bombe, qu'on a doré avec la bombe de la peinture, donc comme ça on l'a présenté avec un bic. Elle a décidé la longueur après, donc deux jours après, on avait ça fait en Italie en métal. Donc... une sorte de rêve. Le temps actuel ne sont pas très joyeux et très agréables, mais je trouve que Christian faisait donc toute l'atmosphère, la spontanéité, les couleurs et tout ça. C'est une bonne remédie, c'est une bonne antidose pour des temps difficiles. Belle maison de couture. Mais on s'amuse. On a pleuré aujourd'hui, mais on n'a jamais pleuré avant.